plus beaux endroits à visiter en Allemagne. Rakosberg, Extensheim, Lac Obersee, Bad Steinbrücke, Route romantique, la vallée de la Moselle, Gorge de la Parknack, Parc national du Harz, Forêt Noire, Mont Zugspitze. Le Ratsberg est un pont maçonnique situé dans le parc d'Azalée et de Rodoron de Grand-Molon, construit en 1960. Il présente un arc en ciel, cintre orné d'aiguilles rosseuses, dentelé à chaque extrémité. Le pont et son reflet sur l'eau, paisible, donnent l'illusion d'un cercle parfait. Une scène particulièrement prisée des amateurs de photographie paysagère. Excellent les plus vastes jardins de Rodoron d'Allemagne. Le domaine de 80 hectares attire les amoureux de la nature, souhaitant pique-niquer ou simplement se promener. L'accès au parc sont accessibles gratuitement toute l'année. Extensheim est le nom d'une rangée de colonnes de grès qui immerge du Hinbeckerkreis, un étang naturel de la forêt de Göteborg. Ce paysage se compte parmi les plus impressionnants d'Allemagne. S'est forgé durant la période glaciaire et plusieurs structures artificielles ont été ajoutées au Moyen Âge. Aujourd'hui, on peut y découvrir une grotte, un sacrovase et un relief représentant le Christ lors de la descente de la croix. Les roches anguleuses qui s'élèvent à 13 mètres pour les plus basses et 40 mètres pour les plus hautes. L'observer de est un lac sauvage situé dans le parc national de Bergforswagen à environ au sud-ouest de Munich. Entouré de montagnes et de forêts alpines, ses eaux aux reflets d'émeraude sont si claires qu'il est possible d'en voir le fond rocheux. Ce site naturel est accessible en bateau au terme d'une fantastique traversée d'une heure sur le lac jusqu'au poteau de Stadtlam où vous devez apprendre un sentier forestier pour atteindre l'observer en 30 minutes. À 1h, le lac est ouvert au public toute l'année, mais la meilleure période pour s'y rendre est l'été, lorsque les eaux sont suffisamment chaudes pour s'y baigner. Situé dans le parc national de la Suisse saxonne, le pont du Bastion a été construit au milieu du 19e siècle. Il s'étire sur 65 mètres de long pour relier les différents procès de grès de la formation escarpée qui surplombe le lit de l'Elbe. Cumulant à 182 mètres, le Basterbrück offre un parlement vertigineux sur la Suisse saxonne, embrassant les massifs environnants. L'Elbe, le mont Lützen et la forteresse de Königstein. Thank you.
d'une longueur de 350 km, l'autre romantique de relie Hersbourg à Fassin en déversant de nombreux sites naturels et médiévaux du sud de l'Allemagne. Vous pourrez partir de Munir, Francfort ou de Hambourg, et selon le nombre de visites prévues, y consacrer 2 jours à une semaine. La vallée de la Moselle abrite certains des sites les plus impressionnants d'Allemagne. Des vignes en terrasse et paysages vallonnés aux villages médiévaux et châteaux persans. La Moselle, une rivière de 545 km qui longe les frontières du sud-ouest de l'Allemagne, du nord-est de la France et de l'est du Luxembourg. Garmisch-Partenkirchen en Bavière, la gorge de la Patrinos attire les amateurs de descente en eau vive avec ses rapides et ses cascades à couper le souffle. Ce ravin de plus de 80 mètres de profondeur est accessible via des sentiers de randonnée offrant de vues sur le Parnasse et les Alpes environnantes. Le parc national du Harz couvre 245 km² de forêt allemande entre la Basse-Saxe et la Saxe-Anhalt. Cette réserve naturelle est réputée pour ses sentiers de randonnée pittoresques et ses animaux sauvages tels que le lynx, le cerf sauvage, le cerf et le pie.
La forêt noire ne se résume pas à la célèbre pendule à coucou et au décor de nombreux contes des frères Grimm. Forêt noire est renommée pour ses splendides lacs et ses sentiers de randonnée serpentants à travers les sapins. Point culminant d'Allemagne avec une altitude impressionnante de 2962 mètres, le Zugspitze domine le massif de Wistern. Il existe plusieurs façons d'atteindre le sommet. Vous pourrez atteindre à emprunter l'un de ces 5 sentiers pour une randonnée de 8 à 10 heures, ou bien emprunter le téléphérique. Le Zugspitze